Ce debunk rapide numéro 9 vous est présenté par Planétérien Télévision, l'organisme officiel de propagande de la secte de la Terre plate. Tant que tout était sous contrôle et que les gros neuneux faisaient des images défocalisées des étoiles ou d'autres objets stellaires, en prétendant que tout ça baignait dans des liquides divers et variés, tout était sous contrôle et le grand sachem de la secte Ewan Enki était content. Mais voilà, coup de tonnerre sur le petit monde de la Terre plate, certains commencent à réfléchir en se disant par exemple que si les cratères lunaires présentent une ombre, c'est que la Lune n'émet pas sa propre lumière. Et comme réfléchir, c'est commencer à désobéir, ça ne plaît pas du tout, mais pas du tout, aux chamans. Donc, pour conserver le troupeau endormi jusqu'au prochain hangout, où le chaman va enfin pouvoir parler de sa terre électromagnétique, il faut que Planétérien Télévision propose du matériel. Et comme le matériel se fait rare, on ressort les pires casseroles qu'on puisse trouver sur le net. Mais ça continue à ne pas plaire au chaman. Il est déçu, le chaman. Il avait espéré beaucoup mieux de la part de Planétérien Télé. Quelque chose dans ce genre-là pour introduire l'électromagnétisme. Et voilà ce qu'on lui propose. Autant dire qu'il n'est pas content du tout, du tout. Bon, ben, faut bien se dire que c'est le résultat qu'on doit attendre lorsqu'on est le chef d'une bande de gros neuneux incapables de comprendre les choses les plus élémentaires. Enfin, maintenant faut assumer.